Bienvenue, c'est Planète Culture G avec un focus aujourd'hui sur une personnalité marquée par la culture. À travers une conversation en toute simplicité, en toute sincérité, on part à la rencontre, à la découverte peut-être d'une des figures de la Guadeloupe. Notre invité est auteur, journaliste, spécialisé dans l'étude de la musique noire. Mais au cours de sa carrière, il a surtout été l'envoyé spécial permanent de RFO pendant une dizaine d'années à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Rédacteur en chef à la direction régionale de l'information au siège de France Télévisions aujourd'hui, il est aussi passionné par la photo et les histoires, entre autres, qu'elles soient vraies ou imaginées. Merci d'être là, Alex Uri. Je devrais dire Alex J. Uri pour une signature à l'américaine, c'est ça ? Tout à fait. Je m'appelle Alex Jules. Jules Uri. Uri, oui. Pour être très précis. On s'est souvent croisés, Alex, rencontrés dans différents lieux, dans différentes circonstances. On ne peut pas dire qu'on se connaisse véritablement, mais c'est une occasion aujourd'hui. Le principe de la simplicité nous pousse à utiliser le tutoiement. Est-ce que tu crois que c'est possible aujourd'hui dans le cadre de cet entretien ? C'est possible. Bon, alors tout va bien. On est parti. On commence par ton actualité, la plus récente, qui est la sortie en fait en toute fin d'année 2016 de La Légende de Popo aux éditions Fortuna. Est-ce à dire d'abord que tu es désormais plus auteur, écrivain que journaliste ? Non, moi je dois dire que simplement, journaliste, avec que ce soit dans la langue de Molière ou de Shakespeare, les mots sont pour lui une manière de décrypter, d'informer. Mais j'ai voulu, moi, raconter les histoires de gens qui sont ordinaires, mais des histoires exceptionnelles. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'écrire des récits, des contes, qui sont ancrés dans l'univers culturel ultramarin. Puisqu'il est riche, il a beaucoup de références, à la fois culturelles et historiques. Donc je dois aussi dire que je suis né dans une région emblématique, oui. La Guadeloupe, le sud de la Guadeloupe, puisque c'est là où Christophe Colomb a débarqué. C'est ça. Capesterre-Belle-Eau. Capesterre-Belle-Eau, tout à fait. Et donc, il est clair que quand on arrive vers ce cap des terres, c'était ça. Donc j'ai eu la chance de naître là et aussi de suivre des gens célèbres, comme Sidan Barom, qui a... Et bien évidemment, défendu le droit des Indiens. Nous sommes beaucoup à Capesterre. C'est là où la tribu, si je veux dire, s'est constituée. Il y a aussi Saint-Jean-de-Perse, qui a été le prix Nobel. Et c'est bien pour ça que je fais, comment dirais-je encore, un clin d'œil. Oui. Un clin d'œil avec ici. La pochette, oui, avec la pochette. Photo, oui. Donc, il y a, je dirais, cette région emblématique qui est riche de quoi ? De confrontations et de brassages de civilisations. Oui. Et c'est je dirais que c'est l'acte de naissance de Popo. Oui, ça nous amène donc à parler de ce livre d'abord. C'est une légende, Alex Uri, qui retrace quoi ? Le passé d'une famille dans un village de la Guadeloupe ? La légende de Popo raconte l'histoire d'un homme, Paulinus dit Popo, parce que lui, il est, je dirais, au cœur de la transformation de la société antillaise après l'abolition de l'esclavage. Alors, lui, il fait du bien, mais il s'oppose à l'administration toujours coloniale. Et il met en valeur, surtout, des rites, des traditions, mais aussi des références culturelles qui étaient jusqu'à présent refusées. Oui. On parle du créole, qui est une langue jugulée. C'est-à-dire que les gens qui ont la liberté, mais qui ne savent pas encore comment s'en servir. Exactement. Donc, en tout cas, lui, il a trouvé peut-être un modus vivendi. Ouais, ce Popo, Alex, il est quoi ? C'est un conquérant, un justicier, un extraterrestre ? Eh bien, je dirais qu'on peut le dire que c'est un justicier rebelle. Bien sûr, il y a des histoires d'amour dans tout cela. Mm-hmm. Il y a des amitiés. Je dirais que là, j'ai voulu montrer que dans ce volcan, autour de ce volcan, la Soufrière, se croisent amitié, amour et jalousie. Oui, oui. Et puis ça montre aussi un homme troublé, parce que comment on parvient à rester en équilibre dans tout ça Bien, c'était ça le défi à relever. C'était de trouver l'équilibre à cette époque-là. Donc ce que je raconte, c'est comment ces gens ont pu bâtir des familles, alors que ce sont des familles qui étaient déstructurées, oui. Comment ils arrivaient à rebâtir avec des critères, avec des éléments, ouais. Avec des valeurs qui étaient
conflictuelles à un moment donné, mais qui devaient bien sûr trouver à s'harmoniser pour qu'ils existent. Mmh. C'est ça le truc. Et je pense que ça permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Non pas seulement nous, antillais ou ultramarins, mais tous ceux qui ont eu des sociétés où on leur a imposé une façon d'être. Donc je crois que, je dirais que ça me fait penser à Albert Memmi, qui a fait le portrait du colonisé. Là, je pense que Popo donne quelques actes particuliers qui nous permettent d'avoir une lucidité sur ce qui s'est passé au jour le jour. Ouais. C'est ça. On dit que c'est l'illustration de l'émancipation progressive hein, des populations de la Guadeloupe au XIXe siècle. Ça nous replonge donc un peu dans les plantations, les traditions, on l'a dit, l'héritage de ses ancêtres africains aussi. Bien évidemment. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une diversité dans la région capestère. Pardonnez-moi d'y rester, puisque nous avons des Indiens, nous avons eu une ère précolombienne, nous avons eu également l'usine qui nous a conduit à avoir une économie de petit déjeuner. Oui. Et on oublie que c'est par là, c'est par Capesterre, c'est par cette région-là qui était le grenier de la Guadeloupe. Et c'est là où justement les hommes se sont affrontés, et c'est là où les cultures se sont affrontées, c'est là où les choses se sont entrechoquées pour pouvoir ensuite avoir un brassage. Oui. Ce qui fait que, bien évidemment, on sent un tempérament chez les Capestériens et chez les gens de la Basse-Terre, oui. Parce qu'il y a eu ces conflits et qui ont conduit à mort d'homme, à exécution. Mais tout ça pour pouvoir bâtir une société. Et c'est ça qui est important. Et la plantation a été un trait d'union, même s'il a été, bien évidemment, un lieu de conflit. Ouais. Je fais une parenthèse, Alex Fury. Est-ce que toi, tu serais ou tu pourrais être ou est-ce que tu accepterais d'être l'illustration, en fait, cette incarnation de personnages extrêmement forts issus de Capesterre, avec tout ce brassage, ce mixage et cette énergie là. Est-ce que je suis l'illustration? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Et j'aurais certainement l'humilité de ne pas le faire. En tout cas. Je crois que je dois remercier mes parents qui ont fait en sorte que je comprenne d'où je viens et qui m'ont éduqué de manière remarquable. Ouais. Parce que j'ai fait le tour du monde et je dis que cette éducation que j'ai eue avec tous ces contrastes, mais avec ces beautés aussi, ouais. M'ont permis de naviguer dans des eaux troubles parfois et de m'en sortir. Je suis... le fils d'un limonadier et d'une pâtissière. C'est deux métiers formidables. C'est deux métiers qui m'ont donné l'impression d'être un homme qui n'a jamais avoir besoin de chercher de quoi se nourrir. Oui. Et c'est du luxe. C'est du luxe. Quand vous êtes jeune, vous avez à l'époque votre mère qui vous fait des pâtés remarquables et qui sont très chers à l'hôtel et que vous pouvez choisir votre limonade. Le matin, très tôt, si vous dites « Papa, je voudrais bien avoir telle essence », et vous l'avez plus tard, je pense que là, c'est une situation agréable, merveilleuse. Même si, attention, il y avait ce désir de prendre conscience de la situation qui était autour. Parce que c'était au moment où les usines se battaient pour pouvoir rester ouvertes, où elles fermaient, où il y avait du chômage. Donc, une ambiance... J'allais dire de luxe, de détente, parce que je me rendais bien compte que tout le monde n'avait pas cette possibilité et que moi-même je donnais des limonades à mes amis. J'étais devenu un petit commerçant aussi, je dirais à l'époque. Donc c'était fort agréable. Mais je crois que mes parents ont fait en sorte. Nous étions sept, hein, et mes parents aussi avaient élevé deux ou trois autres cousins. Hein, donc c'était quand même une bonne dizaine, et ça nous a permis d'avoir cette liberté et cette tolérance de comprendre les autres, parce qu'évidemment, nous étions de toutes les couleurs. Oui. Hein, c'est aussi ça, il ne faut pas oublier que nous sommes sept enfants, et nous n'avons pas le même mélange. Ouais. On va revenir à cette position de privilégié, quelque part finalement, au sein de la famille. Mais d'abord... En préambule, je parlais d'histoire vraie ou imaginée. Pour la légende de Popo, on est à la fin des années 1870. Vrai ou imaginée, parce que vous savez,
Moi, je crois que lorsqu'il y a des histoires de ce type, on arrive à obtenir la courbure du temps. Et je pense que j'ai exploré Popo. C'est une histoire qui est vraie, mais j'ai fait une légende. Donc ça m'a permis de bâtir un personnage, comme je le souhaitais. Oui. Mais évidemment, si je n'ai pas la prétention d'être historien... On dit quoi, Je ne supporterais pas non plus d'être contesté par un historien. Donc j'ai quand même écrit de cette manière-là, ce qui m'a permis de faire un pont avec des murs qui sont tombés, si je peux dire. Donc Popo va de cette période jusqu'au monde d'aujourd'hui. C'est ça. Voilà, donc j'ai fait simplement une passerelle avec les ancêtres et que les gens comprennent. Oui. Parce qu'après tout, rien ne se perd dans cette histoire d'homme. Et on a toujours, j'allais dire, ce terroir-là, qui est là, il faut qu'on le retrouve. Et moi, je pense que c'est parce que mes parents m'ont bien enraciné dans la terre de Guadeloupe que j'ai pu pousser et germer et me sentir à l'aise. Ouais. Sans quoi, je n'aurais pas pu. Parce que il faut savoir que lorsque vous allez à l'étranger, vous arrivez, par exemple, puisque je suis aussi très américain dans ma façon d'être, bon, parce que j'ai aussi des parents qui le sont, mais vous savez, si vous n'avez pas, vous ne croyez pas en votre culture, vous êtes écrasé. Vous êtes écrasé, ou alors vous faites du mimétisme. Mais moi, sans que je m'en inquiète, j'ai remarqué que les gens ont testé de savoir si moi je connaissais bien ma culture. Or, ce qui me paraît très bien, c'est que la nourriture est quelque chose d'important. Parce que là, vous êtes obligé d'aller dans le terroir, savoir ce que vous mangez. Est-ce que c'est votre histoire. Est-ce que cette nourriture-là, au sens le plus large qu'il soit, Alex Ury, explique un petit peu cette nécessité d'écrire sur ce thème-là en particulier? Mais je crois que il n'y a même pas de nécessité, il y a une évidence. Tout simplement, moi, j'étais occupé et à m'intéresser à des questions internationales, questions diplomatiques, importantes, certes, pour notre pays, puisque vous avez parlé de l'économie du petit-déjeuner, mais cette économie avait besoin d'être défendue, puisqu'elle était dans un grand espace, l'Europe. L'Europe devait protéger des productions qu'elle ne connaissait même pas. Enfin, qu'elle connaissait parce que, au niveau du luxe, lorsque on prenait nos fruits, on les vendait là-bas, sur les marchés de Londres et dans les grandes familles qui achetaient, nous avions ça, c'était toute l'économie de petit déjeuner. Le cacao, les ananas, les bananes. Donc, mais on a fait, après, donc, l'abolition de l'esclavage, il fallait garder quand même des plantations. Il y a des unités qui permettaient une économie d'exister. Mais on sait autour que ça a été aussi dans la douleur. Donc on ne peut pas ne pas en parler. Et simplement, si on reste négatif quand on regarde ça, on ne s'y retrouve pas. Il faut toujours penser que quand il y a une difficulté, il y a une ouverture. Donc, je crois que les difficultés que nous avons eues à cette époque-là devraient nous permettre de nous illuminer, de comprendre ce qui s'est passé. C'est la prise de conscience. Quand j'avais rencontré une fois, et malheureusement, je n'avais pas mon appareil photographique, Césaire, il m'a expliqué que il aurait suivi mon itinéraire s'il était plus jeune. Il m'a parlé du cahier de retour au pays natal comme une prise de conscience des Antilles. Il m'a dit, c'est ça. Mais il m'a dit, vous êtes allé plus loin déjà. Vous êtes maintenant, vous possédez la langue de Shakespeare. Et vous parlez créole de la même manière. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai une descendance. J'ai 4 petites filles. Et aujourd'hui, je suis très heureux de les entendre m'appeler grand-pa, papy ou caufet, en créole. En créole, donc, en anglais, c'est clair que j'ai la fierté de sentir que les condiments que j'ai eus sont là. Ce terroir, je l'emmène et je le transmets. Et c'est ce qu'on retrouve dans la légende de Popo. C'est ce qu'on retrouve dans la légende de Popo. Je pense que
Cette légende m'a permis de faire des parallèles, des passerelles avec d'autres endroits. Par exemple, la Réunion, oui. Où il y a eu des Indiens, bien sûr, des engagés, qui ont aussi des esclaves. Donc on dit ce qu'on veut, mais c'est ça. Donc, j'en ai parlé et j'ai profité pour montrer les problèmes psychosociologiques qu'il y avait dans cette colonisation, ouais. Qu'on connaît, mais simplement, il y a des choses qui restent, vous savez, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ce que je pense, c'est que nous avons eu, chez nous, des parents qui ont fait en sorte de nous dire « tirez pierre en vieux soulier, enlève tes pieds dans les mauvaises chaussures ouais. ». Hein. Et nous donnons une assurance de nous-mêmes. Oui. Je crois que c'est ça que ceux qui ont écouté ça ont fait leur chemin. Mais concrètement, en 2017, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a fait ce chemin? Est-ce qu'on est libéré de ces contraintes et de ces difficultés? En 2017, je m'interroge. Je m'interroge parce que j'entends parler de partage de culture et je ne sais pas si on sait de quoi on parle, premièrement. Et deuxièmement, moi, ce que je voudrais, si je peux me permettre, je ne suis pas missionnaire, mais je le dis à mes propres enfants, écoutez, nous avons ce qu'il faut. Et nous n'avons pas besoin d'imiter les gens. Ouais. Et moi, j'étais les roses qui m'a vraiment beaucoup plu à Saint-Denis, où j'ai vu des jeunes qui étaient là, en train de danser, qui comprenaient ce qu'ils faisaient et qui expliquaient que les roses avaient évolué dans son contenu, dans les textes, puisqu'ils me disaient nous avons quitté nos îles pour venir en France. Ouais. Et donc, les textes doivent changer. Eh bien, j'ai été absolument impressionné par le fait qu'il chantait Ben Mao, et là, qu'il chantait des mecs qui sont dans le métro et qui prennent, qui sont un petit peu à la recherche d'un paradis. Oui. Donc, moi, je crois que en exportant ou en important nos cultures comme ça, nous tapissons l'esprit et le psyché de nos enfants pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Oui. Parce que on a l'impression que... Moi, je crois que ce que nous devons comprendre, c'est que... Et je crois que c'est César qui disait ça, me semble-t-il. Le détail est universel. Et si vous préservez vos détails, vous devenez universel. Moi, je pense que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais doivent comprendre qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont l'équation de l'universalité. Oui. Avoir la conscience, en fait, de ces richesses-là, de son terroir, comme toi tu dis, pour s'exporter, s'ouvrir. Mais je crois que ce n'est pas la peine. Moi, ce que je pense, c'est que nous avons démontré que nous sommes prêts à nous battre lorsque ça ne va pas. Nous l'avons montré à plusieurs reprises. Oui. Je me rappelle, en 1967, moi, j'étais comme tous les jeunes indépendantistes. Et mon père, mon Dieu, se disait, mais où mon fils va échouer? Et j'étais avec, je me rappelle, le maire l'actuel maire de Pointe-à-Pitre, Bangou. Nous étions tous les deux et à faire des discours avec d'autres à Bainbridge, au lycée Bainbridge. Et moi, je me rappelle leur avoir dit, écoutez, moi, vous savez, ça va s'essouffler, ce mouvement. Moi, j'irai dans le ventre de la bête pour comprendre, c'est-à-dire les États-Unis. Et bien évidemment, parce que j'avais déjà des parents qui étaient aux États-Unis. Et j'avais aussi le fait que ma grand-mère, qui était, comment dirais-je encore, marchande, mais qui est aussi propriétaire terrien, et qui avait compris le problème du commerce avec les îles d'à côté. Ouais. Et donc, qui baragouinait de l'anglais suffisant pour pouvoir faire du commerce. Je veux dire que tout ça fait de moi, aujourd'hui, quelqu'un naturellement international. Oui. Alors, précisément, Alex Fury, j'ai envie de comprendre comment, en partant de Cap Esterbello, même quand on a la chance d'être un peu gâté, un peu favorisé, un peu... bref, comment on devient un Guadeloupéen, caribéen, français, américain, international, en fait. Voilà, j'ai un peu de mal à suivre. J'ai le sentiment, en te voyant, en t'écoutant, que tu es tout à la fois. Et comment on y parvient? Je dirais tout simplement parce que
on est soi-même. On est avec ce qu'on en a. Et il m'est difficile de manger sans un piment. Je dis ça, c'est peut-être une anecdote, mais les gens riaient avant de nous voir manger notre piment. Je suis désolé, il y a des gens qui ont fait des grandes études sur le piment et qui est un antiviral. Oui. Hein, par conséquent. On n'a pas toujours cette conscience. Là. Mais moi, je me rappelle, ma grand-mère me disait, quand il y avait la grippe ou le rhume, de manger un bout de piment. Et clairement, mais on peut penser que ça, on va mettre le piment dans ta soupe, c'est la punition. Oui. Mais c'était pas ça. Elle me disait non, tu iras mieux. Donc ça va te piquer, mais tu iras mieux. Mange du pain. Mmh. Donc je veux dire que il s'agit de savoir qui on a en face de soi. Si vous aviez des parents qui prenaient conscience de ce qu'ils sont et vous transmettaient tout simplement ce qu'ils ont, et de manière naturelle, je pense que c'est on a ça, on le digère, et on est bien. Alors, vous voulez me demander, me dire, est-ce que... Bon, vous êtes un petit peu... Je vous ai faux, vous voyez, peut-être. Non, c'est tout simple. Il faut avoir conscience que l'on est dans un environnement. C'est comme si on était dans un continent qui s'est disloqué, atomisé, dans la Caraïbe. Il faut aussi savoir d'où l'on vient. Pourquoi ? Nous étions des gardes de triage, à un certain moment. Des gardes de triage. Et ça veut dire que les gens qui sont à côté ont eu à peu près le même, parcours que nous, dans une autre langue. Mais quand vous maîtrisez la langue, et c'est ça qui est très intéressant, je crois que lorsqu'on maîtrise la langue anglaise, on peut vivre n'importe où dans la Caraïbe. Comment c'est arrivé, Alex Suri ? Simplement parce que nos parents parlaient déjà, en tout cas, une partie des parents, et nous avons servi de barrière, mais de passerelle entre les éléments de la famille. Okay. C'est tout simple. Avant, on disait, pourquoi parler anglais, c'était pas clair. on s'en inquiétait un petit peu. Mm. Et c'est pour ça que, à l'époque, j'ai fait un journal en langue anglaise, et qui était très suivi par les Caribéens, les touristes qui venaient. Mm. Pour moi, c'est important de comprendre la langue de l'autre. Et je m'en souviens, il y avait Madame Michel Chevry, qui était ministre à l'époque, et elle aimait beaucoup Lucette. La mère, et qui était à la francophonie. Mmh. Et j'étais absolument très content quand elle me disait qu'elle m'écoutait, et que le préfet écoutait aussi, et qu'ils avaient compris que ça faisait pas une nouvelle guerre avec la perfide Albion, mais au contraire, ça nous permettait d'avancer. Et beaucoup de parents, ils me le disent. Je rencontre encore des enfants qui m'embrassent, je ne les connais pas. Simplement parce qu'ils disaient, il fallait écouter ce que je disais en langue anglaise pour pouvoir progresser. Il y en a beaucoup qui sont devenus professeurs d'anglais. On me dit qu'ils avaient suivi les informations que je donnais. Mais je le faisais, alors que je n'étais même pas payé. Vraiment, c'était, je le faisais parce que je pensais que c'était une nécessité à la télévision publique. Et c'était ça. Donc, parce que ceux qui entendaient, qui écoutaient, c'est la même réalité qu'il y a à côté. Quand vous savez, le fruit à pain, c'est bread food. Oui. Vous avez, quand vous maîtrisez la langue, vous vous rendez compte que votre espace s'est élargi. Et vous n'êtes plus petit, vous êtes grand, puisque vous additionnez les espaces. Ouais. C'est tout simplement ça. Et en plus, en allant aux États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis, je me suis rendu compte que les gars, ils parlaient anglais. Mais lorsque on retrouve, j'allais dire, ces réflexes de populations qui ont les mêmes origines, c'est ça. Ça n'est ni de la frime, ni un complexe quelconque, on est d'accord. Parce qu'en fait, la pratique de la langue anglaise qui permet de décortiquer, de comprendre et puis de s'intégrer en fait dans cette société est égale à ce qu'on peut traduire en créole, Je comprends. Moi, je vais vous dire, tout cela m'a permis de devenir envoyé spécial permanent, ce dont vous parlez. Ouais. J'ai décidé à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire le tour des stations, bien évidemment. On finit par faire, du tourisme en Outre-mer. D'accord, chacun fait ce que la fonction permet d'obtenir. Mais moi, j'ai décidé, et je l'ai fait, j'ai dit que je demande
d'ouvrir un bureau. Oui. C'est moi qui ai proposé, mais sous le couvert d'une section syndicale, pour que ça ne soit pas personnalisé. Finalement, la chercheur m'a demandé, on m'a dit, ok, on m'a fait confiance. Et les gens m'ont dit, n'y va pas, tu vas échouer. Et de toute façon, je me suis dit que si j'avais échoué, on aurait dit qu'on donnait sa chance à un originaire d'outre-mer, oui, qui a échoué. Donc, finalement, c'était quoi? Donc, je n'avais l'option de réussir. Mais c'est réussir, c'est quoi? Réussir, c'est, en fait, d'avoir la possibilité de donner des informations de première main aux gens de nos territoires qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. C'était ça l'objectif au départ. D'abord, au départ, parce que moi, j'avais compris qu'il y avait un problème déjà concernant l'importation de nos bananes. Je me suis dit, attends, ça va pas durer, ça. Mais c'est ce qui s'est passé, et tout simplement parce que ça se résume à un problème de barrière commerciale et de défense des productions qui étaient européennes. Donc, tant qu'on n'avait pas compris ça, on ne pouvait pas parler convenablement. Je veux dire, donc, là, j'ai compris d'autres réalités qui allaient avoir un impact sur notre vie quotidienne dans l'outre-mer. Et donc, avoir maîtrisé l'anglais était quelque chose d'extraordinaire, parce que personne ne pouvait me raconter des histoires. Okay, donc, j'avais un dialogue d'égal à égal, et même dans les nuances avec les gens, les diplomates que j'interrogeais, avec qui je déjeunais ou je dînais, qui m'expliquaient les choses. Et plus, donc, ils ont su que j'étais aux États-Unis, que j'avais des enfants qui étaient américains, que par conséquent, ils se sont dit, tiens, ce garçon, hein, semble un petit peu intelligent. Ouais. Bon, mais je dis que c'est ça. C'est quand on arrive à ce stade, il faut donner des informations précises aux gens. Il faut comprendre. Je le disais tout à l'heure, il faut décrypter. Donc, moi, j'avais des informations qui était de première main. Ouais. Est-ce que selon toi, Alex, d'avoir été dans les couloirs donc, comme ça de la Commission européenne, d'avoir échangé, un peu maîtrisé les choses, a pu changer des choses au-delà du regard hein, et de ce décryptage, de ces explications, des informations qui étaient rendues intelligibles, etc. Est-ce que globalement, ça a pu changer des choses? Oui, je pense que s'il s'agit de ce que j'ai, ma contribution. Je pense que d'ailleurs, mes confrères qui étaient à Paris me semblaient très satisfaits de ce que moi je les représentais aussi là-bas. Oui, bon, pour notre petit égo, bon, d'accord, ça va. Mais je dirais que c'est sûr que ça a permis aux acteurs politiques et économiques de comprendre. Parce que c'est ça l'information aussi. C'est permettre de donner des instruments, donner des éléments aux gens pour qu'ils prennent des décisions. Ouais. Et donc, je crois que modestement, j'ai quand même joué un rôle important puisque on me demandait d'une grande intégrité et bon, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'experts dans ces questions-là. Oui. Il y en a encore pas beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, toujours l'Europe a besoin d'être comprise. Oui. Et on le voit avec le Brexit. Or, le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, bien, il m'a aidé à défendre la banane. Oui. Et je le connais très bien. Donc, c'est un collègue. Donc, je me rappelle de cette époque, il était, je dirais, très critique de ce que faisait l'Union européenne en Grande-Bretagne. Ouais. Et nous le savions déjà. Donc, je pense que peut-être que les gens ne se rendent pas compte de la qualité de la contribution que nous pouvons apporter. Mm-hmm. C'est ça. Et il est difficile de pouvoir vous imposer, même si vous le faites de manière professionnelle. Ouais. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, il faut pouvoir, je dirais, sélectionner des acteurs de nos régions, j'allais dire, qui ont une certaine ouverture et qui ne sont pas pris dans un combat qui ne mène à rien. Oui. Okay, nous devons faire avancer nos pays en nous faisant respecter, en montrant ce que nous connaissons. Il faut d'abord maîtriser les choses. Donc il faut faire un travail sérieux et non pas penser que les choses tombent comme ça. Ouais. Quelle différence tu as pu percevoir, toi, entre tes débuts à la Commission européenne, entre autres, et puis la fin, non pas du mandat, mais enfin de tes activités par là? J'allais dire qu'on ne finit jamais de s'occuper de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'elle existe toujours et elle évolue.
Ce que je comprends aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a d'autres confrères qui n'ont pas le même itinéraire que moi et ne comprennent pas en Europe. C'est ça. On a voulu faire une Europe politique qui a une jambe. Ouais. et les gens, on allait beaucoup trop vite. C'est-à-dire que les peuples ne se sentent pas au jour le jour associés à cette prise de décision. C'est ça. Quand vous allez chez vous, vous dites au niveau local, hein, vous voulez être concerné. Je pense que les consultations sur ce que l'Europe apporte, il faudra les faire pour que les gens retrouvent cette confiance-là. Ouais. Parce que l'Union européenne s'est ouverte et a fait de nombreux accords qui ont un impact sur la vie des gens et que les gens ressentent brusquement. Ouais. Ouais. Cette symbolique avec les étoiles et tout ça, concrètement, elle n'existe pas La symbolique est là, elle est forte, oui. Mais ce que je pense, c'est que aujourd'hui, il va falloir réapprendre l'Europe aux gens. Réapprendre. Si on veut la garder, sinon, elle va s'effriter. Elle va s'effriter. Et je me rappelle très bien, nous avions quelques journalistes français à Bruxelles. Nous discutions avec Delors, qui n'était pas pour l'élargissement. Il disait qu'il fallait renforcer l'Europe. Parce que c'est vrai que quand on se renforce, bien, on peut à s'élargir, ouais, mais avec beaucoup plus d'assurance, et non pas essayer de se mettre comme les États-Unis. C'est ça. On ne fait pas les États-Unis d'Europe, on fait l'Europe. Okay. Donc, ouais, c'est vrai que maintenant, l'Europe est un peu embarrassée entre la Russie et l'Amérique. Ouais. On le voit maintenant, mais nous savions ça déjà, nous, à l'intérieur. Ouais. Il ne s'agissait pas de faire une course à s'agrandir. Non, il faut que... Et c'est ce qui se passe maintenant. Chaque pays européen est en train, j'allais dire, de revoir un peu, non pas sa position, mais ses liens avec l'Europe. Et il faut laisser la chose se faire. Ouais. Le regard de l'expert que tu es, toi, du coup, dit quoi pour ce qui nous concerne, en fait? Il faut qu'on s'inquiète. Il n'y a pas péril dans la demeure. Quel est ton regard, ta vision des choses? Moi, pour moi, ce n'est pas qu'on doit s'inquiéter. S'inquiéter, c'est toujours négatif. Il faut être vigilant et lucide. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Vigilant dans les acquis que nous avons, parce qu'ils ne sont jamais définitifs, prêts à défendre. Mm-hmm. Je dirais lucide et savoir et prendre conscience. C'est-à-dire que nous aurions besoin aujourd'hui d'un autre texte que le cahier du retour au pays natal, même si une partie de ce livre est tout à fait valable. Mm-hmm. Pas de question de temps. Je dis qu'il faut se dire qu'est-ce qui apporte notre développement et qu'est-ce qui ne brise pas notre personnalité. Ouais. Parce que c'est... Et nos valeurs. Je veux dire que ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est quand même pas reproduire les mêmes personnes, les mêmes choses, dans le même moule. Mmh. Il faut accepter les différences. Et les différences apportent de la richesse. Donc nous avons les différences, nous avons la diversité, et nous avons aujourd'hui pris conscience de certaines choses. Et nous pouvons apporter beaucoup plus qu'on ne le croit, sans pour cela, j'allais dire, s'agenouiller. Ouais. Okay, il faut quand même, c'est ça important, lorsqu'on sort de peuple qui a souffert, il faut garder la tête haute, hein, c'est cela. Pour moi, c'est une évidence. Et on a ces armes-là, quand je dis « on », je généralise, hein, je pense à tous ceux qui sont en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en France et ailleurs. On a tous ces armes-là pour avancer de ce pas ou pas? Ce qui nous manque, c'est de la confiance en nous-mêmes, me semble-t-il. Okay, je vois des originaires d'outre-mer qui ont beaucoup de diplômes, mais qui manquent cette confiance en eux-mêmes. Mmh. Ce qui fait qu'ils commencent à prendre leur distance avec un autre. Un autre originaire d'outre-mer qui, brusquement, est un ennemi. C'est malheureux. Ouais. Parce que, justement, ils n'ont pas vécu encore leur avancée, leur développement, comme quelque chose de collectif. Okay, donc c'est encore individuel. Et pourtant, je pense que lorsque les originaires d'outre-mer se mettent ensemble et se respectent, et un peu d'humilité,
eh bien, on avance très vite, on va. Et je crois que c'est important de dire ça, me semble-t-il. Je crois que nous avons ce qu'il faut. Nous avons des gens qui sont brillants. Il suffit de faire... Je dirais qu'il n'y aura pas assez de télévision pour faire des reportages sur des originaires d'outre-mer qui sont des gens compétents. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Mais il ne s'agit pas de faire ça, de les mettre en vitrine, tout simplement. Il faut qu'ils soient de vrais acteurs, j'allais dire, du changement. Ouais. Comment on transmet d'ailleurs ces valeurs à Alex Fury pour que ce changement puisse opérer et qu'il soit efficace? Eh bien, écoutez, c'est une modeste contribution que je fais en écrivant La Légende de Popo. Une modeste contribution. Eh bien, je regarde un peu, et je dis que en racontant ces histoires, de personnalités apparemment ordinaires, mais qui sont fondamentalement extraordinaires dans la mesure où elles viennent expliquer nos chemins parcourus, notre parcours fléché, et nous donnent confiance en nous-mêmes. Et dans ce livre, il y a même il y a Popo qui sort de l'ordinaire parce qu'il connaît la magie aussi. Et la magie connaît son territoire, oui. La connaissance affûtée de son territoire, de la biodiversité. Savez-vous que Popo, à un moment donné, on dit qu'il est qu'il est un soukounian, okay, oui. Etc. Et en bien, tout cas, qu'il est frais. Oui, alors, ce qui est curieux, c'est que le gars connaissait si bien la biodiversité qu'il savait qu'en février, il y avait un phénomène qui se produisait avec le fromager. Oui. Où il y avait des guimbaux, hein, la pollinisation se faisait, et que les guimbaux arrivaient par centaines, et prenaient donc, comment dirais-je encore, ce nectar, et étaient presque, j'allais dire, ivres, et tournaient autour, et avec la lune, enfin, le clair de lune, on avait l'impression que c'était un esprit, hein, qui tournait autour. Et lui, quand on le poursuivait, il se mettait derrière l'arbre. Et il savait que les autres auraient peur, ils n'allaient pas avancer. Oui. Et les gens pensaient que lui était changé en zombie. Il était, je dirais, était un zombie. Oui. Et c'est parce qu'il connaissait la biodiversité. C'était seulement en février que ça se passe. Et donc, j'ai d'ailleurs eu une vétérinaire qui est guadeloupéenne, qui a mis un mot sur Facebook en disant qu'elle était très heureuse, et d'ailleurs, qui a défendu, je dirais, les oiseaux qui venaient à la même période. Donc, je pense que là, encore, c'est pour vous dire que nous avons, chez nous, des exemples, peut-être pas de gens qui ont des agrégations, nécessairement, mais qui ont, j'allais dire, l'essence de ce que nous sommes, ouais. Et que nous pouvons transmettre à nos enfants. Moi, aujourd'hui, je suis heureux d'entendre mes enfants, mes petits-enfants, parler anglais, français, okay, créole, ouais. Okay, parce que ils ont déjà... j'allais dire, leur espace culturel oui. Est déjà plus large que le mien. Oui. Et puisque il y en a, j'ai une fille qui parle chinois. Donc, c'est quand même pas mal. Simplement, ça, c'est pas le glissement, mais l'ouverture à d'autres cultures est naturelle. Oui. Chez toi, et j'insiste hein, sur le tutoiement, parce que c'est comme ça, mais ça a toujours été, d'ailleurs, naturel et ouvert. Je profite des passerelles, d'ailleurs, pour dire que La Légende de Popo n'est pas le premier roman que tu écris, n'est pas la première œuvre. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'abord un livre sur la musique et les musiciens de la Guadeloupe, qui est un livre qui sert de référence et qui a facilité, par ailleurs, la reconnaissance du roca au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Écrit avec mon ex-épouse. Mais là, j'ai une anecdote à ce propos. Parce que tu me demandais à propos de la transmission. Oui. Eh bien, j'ai une seconde fille. J'ai deux garçons et deux filles. Et une des filles qui a vécu avec moi à Bruxelles et qui commençait à apprendre le néerlandais avait 18 ans et elle allait au bac. Elle m'appelle, je suis en train de faire un reportage, elle me dit « Papa, je t'avertis,
je t'avertis, je vais prendre le bac, le crayon en option. Oui. Je lui dis, mais si Gassin le tienne, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a eu une discussion avec probablement sa maman et ou d'autres personnes. Je lui dis, c'est très bien, vas-y. Et donc, eh bien, elle est allée à l'examen, elle avait des textes. Mm-hmm. On donne en général une dizaine ou une vingtaine de textes. Dans ce texte, il y avait quelque chose sur la musique. Oui. Et elle, donc, elle en parle, on interroge, elle explique de manière absolument, avec beaucoup d'aisance. Et la prof lui dit, mais quel est votre lien avec ce monsieur, Alex Fury? Elle regarde, ben, c'est pas les crayons normalement, oui. Elle dit, en français, mais c'est mon père. Et ensuite, madame dit, c'est votre père? Elle dit, oui madame, c'est mon père. Mm. Alors, ce que je suis en train de me demander, la transmission. Voilà, en fait, c'est un texte que j'avais écrit avec sa mère, oui. Sur la musique, les musiques traditionnelles de Guadeloupe. Mm-hmm. Alors, quelle est la preuve la plus irréfutable que celle-là, hein, que la transmission, elle a compris, et en fait, elle a expliqué, non pas ce qu'elle a étudié, mais ce qu'elle a entendu. Ouais. Nous a entendu parler de méthodes quantitatives, qualitatives, et donc, c'était exercé déjà à expliquer les choses. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut être tout simplement naturel. Dire aux enfants, parce qu'ils ont de la mémoire, ce de quoi il s'agit. Ouais. De quoi ma fille, j'en ai une autre, j'en parle parce qu'ils ont fait avec moi, eh bien, elle, qui a vécu en Belgique avec moi, pour elle, la Commission européenne, c'est comme la mairie. Parce qu'en fait, elle a, et les enfants qui ont été à Bruxelles, bon, ben, ils n'ont connu quoi comme, pas la mairie, ils ont connu la Commission européenne. La Commission, oui. Voilà. C'est la référence. Oui. Donc, pour eux, ben, une mairie de Paris, bon, c'est par rapport, tu vois, le niveau déjà de conscience. Je reviens à la littérature. On a parlé de musique et musiciens de la Guadeloupe. La légende de Popo, c'est le dernier roman en date. Et puis, il y a eu d'autres choses. Et d'ailleurs, pour faire un clin d'œil à la légende de Popo, Georges Paul Angevin, l'ex-ministre des Outre-mer, qui a préfacé roman, tout à fait. dit de toi, c'est un conteur. il crée la surprise là où on ne l'attend pas. Et d'ailleurs, tu as écrit une série, c'était en 2012, il y a eu aussi Alexander et Teresa. Voilà, j'ai écrit Alexander et Teresa et j'avais une mauvaise santé à l'époque et je n'ai pas pu promouvoir ce livre comme je le souhaitais. Mais justement, il parle aussi de la transmission. Oui. Ce livre, c'était un couple de jeunes originaires d'outre-mer qui avaient réussi, qui avaient réussi et alors deux types, une typologie individu, c'était le Alexander, bien évidemment, va faire un rapprochement avec moi. Oui, c'est possible. Donc, qui était le fils d'artisan. Et puis l'autre qui était médecin et dont les parents étaient fonctionnaires. Ouais. Deux types déjà j'allais dire, entre guillemets, de bourgeoisie noire, hein, ok? Ou métissé. Et finalement, ils se rendent compte. Et c'est grâce à lui qui est à l'aise avec, d'autres acteurs dominants, de l'économie, et lui apprend comment fonctionner avec eux normalement, et finalement elle apprend qu'elle a des parents qui sont anglophones, parce que lui il dit, mais attends, mais tu connais pas il lui explique déjà l'histoire de l'esclavage qu'elle avait complètement oublié parce qu'elle a vécu en Europe. Alors elle dit, mais comment tu fais pour connaître tout ça? Je vais pas revenir sur. Mais dans ce livre-là, il y a beaucoup d'émotions d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de questions concernant la religion, oui. Qui joue un rôle important chez nous, hein, la religion. Et parce qu'on en a plusieurs, comme à Capesterre, entre nous. Il y a le temple hindou, il y a l'église catholique, il y a, les Noirs de Cambrefort. Oui. Alors là, c'est ça. C'est cette diversité, cette richesse que nous avons. Mais est-ce que tout ça n'est pas une manière, Alex, de se raconter? De se raconter? Non. Je crois que de témoigner, oui. Je pense aussi que si on est mieux placé que d'autres de se raconter, il faut se raconter. Parce que les autres,
si on leur laisse le soin de dire ce que nous sommes, eh bien nous avons tout perdu. Déjà, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Oui. Alors si, sur le plan culturel, nous devons laisser les autres nous expliquer ce que nous sommes, ou je pense qu'il faudrait ouvrir des... Il faudrait avoir beaucoup de psychiatres, oui, ok oui. On dit des gens qui produisent autant qu'ils sont hyperactifs. Est-ce que c'est un qualificatif que tu acceptes ou que tu réfutes plutôt? Hyperactif, nous sommes actifs, bien sûr. Mais je pense que c'est tout de même un devoir pour quelqu'un qui a eu un itinéraire professionnel. J'avais dit quand même assez riche, ouais. Des expériences étendues sur le plan des relations avec les autres, puissent, j'allais dire, partager. C'est cette notion-là que nous avons oubliée. Mm-hmm. Nous devons partager. Pourquoi je suis ici? Je suis ici parce que, avec vous, parce que moi, j'ai milité en faveur des télévisions privées, par exemple. J'ai dit, mais nous, à la télévision publique, nous n'allons pas dans la proximité autant que nous aurions dû le faire. Oui. Je pense que cette question de partage est importante. Nous devons partager, témoigner, pour que les autres, ceux qui sont là, comprennent et avancent, aillent plus loin que nous, nous éclairent aussi. Donc je ne crois pas que c'est se raconter, mais par nécessité, dire ce qui est. Ouais. Quel regard tu portes aujourd'hui, toi, Alex, sur le journalisme en général, avec ses évolutions? Je parle des réseaux, des blogs, de tout ce qui passe par le web, le virtuel, etc. Moi, je pense que le journalisme a beaucoup évolué et nous avons besoin tout de même de journalistes missionnaires presque, qui font en sorte que lorsque ça ne va pas, ils puissent enquêter. Mm-hmm. Et dire les choses. Nous avons besoin de journalistes qui sont protégés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre est devenue une guerre de l'information, une guerre de la propagande. Aujourd'hui, je m'en compte avec d'autres confrères, que même en partageant des choses sur Facebook, on est obligé de vérifier, ouais. Là encore. Vérification. Donc, on n'est plus sûr de rien. Et on le voit aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a la Maison Blanche, et qui a bien compris les choses, et qui aujourd'hui bouscule l'establishment dans le journalisme. Parce qu'il a des informations aussi. Ouais. Mais il sait très bien qu'il y en a qui ont abusé, même si d'autres, bien sûr, ont fait leur travail. Nous avons besoin d'une presse très responsable pour éclairer les gens. Parce que si les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, eh bien, on va avoir des catastrophes. Et on se verra. Un peu le décret qu'il a pris anti-migrants, mais c'est je dirais que il sait très bien que ça aurait fait, mais ça le permet, quoi. On voit, regarde maintenant ce qui se passe, on voit l'émotion que ça crée, que lui ne saisit pas, mais parce qu'on avait caché aux gens cet nombre de choses. Oui. Pourquoi, ça veut dire qu'il y a autant de d'immigrants, enfin, aux États-Unis, il y a une réalité sociologique dont on doit faire preuve. Mais curieusement, pourquoi on a élu? Et alors qu'il n'a rien caché de ce qu'il allait faire. Oui. On a élu. Donc ça veut dire que nos journalistes, nous devons bien éclairer les gens pour qu'on ne soit pas surpris du résultat. Oui, c'est ça. Permettre à tout un chacun de faire la part des choses. Tout à fait. À part le journalisme, à part la littérature, c'est quoi ton moyen à toi de te ressourcer, de te retrouver, d'être ailleurs? Me ressourcer, c'est simple pour moi. Et moi, quand je vais dans une île, parce que je suis un insulaire, quelle qu'elle soit, mais surtout en Guadeloupe, j'aime marcher à pied, aller voir les rivières. Parce que les rivières, c'est la source même de la vie. Vous savez, c'est ça qui sort de la montagne et ça va à la mer. Ouais. Et c'est ce qui est important. C'est chercher la source des choses et aller regarder là-bas, dans cette mer profonde, que toute cette eau-là, qui est la vie, ouais. Va mourir
pour avoir une autre vie dans les océans. Et je regarde ça. Je pense que, et aussi, je crois que c'est être spectateur aussi quand on peut pour être en paix avec soi-même. Oui. C'est important d'être en paix avec soi-même. Je t'ai souvent posé avec un appareil photo. c'est vrai, c'est pour immortaliser des instants. C'est une passion ou ça fait partie du personnage de l'homme journaliste? Ben, écoute, j'ai toujours... En fait, ça me vient d'un oncle qui a fait la guerre du Vietnam, qui était en Indochine, et qui était coiffeur, infirmier, et qui avait, j'allais dire, ce plaisir d'acheter des appareils très compliqués. À l'époque, et il faisait toujours des photos. Et il venait nous voir le dimanche, et son plaisir, c'était de faire des photos et ensuite de les donner à tout le monde. Et je me suis dit, tiens, et un jour, je lui ai dit, mais tonton, pourquoi tu fais des photos? Il me dit, tu vas voir plus tard que c'est important les photos, parce que c'est une mémoire. Une mémoire, c'est notre mémoire. Et si nous ne construisons pas nos mémoires, nous n'aurons rien. Ouais. Et donc, j'ai aussi très vite acheté des appareils et je fais des photos. Mais bien évidemment, je suis photographe puisque je suis allé à l'école. Mmh. Et, mais j'ai voulu à un moment donné être reporter de guerre. Ouais. Et quand j'ai fait le training et que ma mère s'est souvenue de l'attente qu'elle a eue de son mari, mon père, qui était donc allé, qui était prisonnier de guerre, je pense qu'elle n'a pas pensé que ce serait une bonne chose. Mmh. Et donc j'ai toujours gardé, j'allais dire, la maîtrise de l'appareil. C'est pour ça que j'en ai besoin, comme une femme enceinte qui a besoin de faire des photos. C'est vrai que je prends un plaisir professionnel et personnel à faire des photos. On aura compris, Alex Suri, que tu es un homme de terrain. Pour terminer, comment tu te définis, toi, aujourd'hui? Plutôt comme un auteur, un observateur, un passeur? Un témoin. De quoi? C'est important, témoin. Parce que sans témoin, on n'a pas de relais. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on termine cet entretien. Merci en tout cas, Alex. J'ai eu du mal hein, avec le tutoiement. Mais ça, c'est vrai que je n'y suis pas habitué. Oui. Mais ce n'était pas si désagréable. Non, non. Mais c'est vrai. On sait que je ne suis pas très dans le tutoiement. Mais écoutez, moi, je voilà. C'est une question de souplesse. Absolument. Merci encore. Je t'en prie.